D'abord, questions. important, Bienvenue sur Exquise Esquisse, un podcast sur les créateurs et créatrices d'univers. Aujourd'hui, je reçois un illustrateur, un animateur, un réalisateur de films d'animation, un auteur de bande dessinée, mais qui ne sont en fait qu'une seule et même personne. J'ai nommé Lionel Richerand. Bonjour Lionel. Bonjour. Comment ça va Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tu exerces donc tes talents dans de multiples domaines. Qu'est-ce qui t'a conduit, dans ta jeunesse, on va dire, à vouloir t'exprimer autant visuellement Je pense qu'en fait, mon outil d'expression, c'est le dessin. J'ai mes parents qui ont, qui ont fait un certain nombre d'archivages de, de dessins, donc j'en ai, ai récupéré quelques-uns d'ailleurs, euh, annotés par ma mère. Euh. Bah, ça vient de tout ce que je pouvais voir à l'époque, c'est-à-dire euh, Zorro, Astérix, euh, voilà, euh, Mickey, et donc. Euh, j'ai un souvenir enfin j'ai eu des, des périodes compulsives et vraiment toujours tourné autour du dessin c'est-à-dire de je sais pas à l'âge de, de, de 8 10 ans euh, je dessinais des batailles entières de super-héros façon X-Men et tout euh, où, enfin je me racontais déjà des histoires avec euh, des espèces de grandes fresques façon euh, je sais pas euh, la tapisserie de Bayeux j'ai l'impression que euh, on, on, je peux me laisser dans un coin avec un, un crayon et du papier et euh, j'en ferai quelque chose. Après, je ne suis pas non plus un compulsif. Euh, -dire que je ne suis pas graphomane à dessiner partout. Donc au moment où tu as dû t'orienter vers des études, ça n'a pas été très compliqué de faire le choix Ça a été compliqué parce qu'en parce qu en fait, j'ai quand même une scolarité difficile. Euh, que, au collège, euh, je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de mal à être scolaire et donc euh, donc ça a été ça a été terrible quoi chaque année a été une lutte euh, et j'ai pas vraiment été aidé là-dessus enfin bon après euh, ça va hein, j'ai passé euh, j'ai passé le cap dès que j'ai pu me rapprocher en fait de cette activité là dans au sein de, de ma scolarité ça a été de de plus en plus un soulagement donc j'ai fait euh, on va dire le, le collège c'était difficile même si j'ai euh, moi, j'adore la, la littérature, euh, bon, avec une orthographe qui était absolument euh, dramatique. Donc, euh, j'ai une prof qui m'a soutenu là-dessus et qui, euh, qui a été assez formidable. Donc, du coup, j'ai ai toujours aimé, en fait, lire, euh, le, lire du roman, euh, analyser des textes. Euh, au lycée, je me suis retrouvé donc, en art plastique. Déjà, de faire deux heures de dessin, c'était euh, déjà une bouffée d'air. Tu écrivais déjà à ce moment-là en non, pas du tout. Non, 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 en plus, c'est vraiment venu, pour le coup, c'est venu vraiment beaucoup plus tard. Je me racontais des histoires, mais c'était pas du tout structuré. Euh, si j'ai retrouvé des dessins que je faisais au collège, alors c'est très étonnant parce que j'ai été assez marqué par euh, plutôt des dessinateurs classiques. Enfin, Rosinski, euh, Giraud, euh, Rezer, enfin bon. Euh et après les arts plastiques, du coup, tu. Bah après, en fait, j'ai fait. Parti, là, euh, donc j'ai fait euh, une section littéraire, arts plastiques, et puis euh, j'ai, je me suis retrouvé, en fait, à, à faire une prépa sur Paris. J'étais en banlieue parisienne. Et donc j'ai fait euh, une année à, à l'Essag, à, à Penningen. Où là, j'ai appris les bases, quoi. Les bases du dessin Tout ce qui était les à côté, c'est-à-dire le dessin qui était, en fait, une pratique euh, tout à fait euh, négligeable. C'est-à-dire en seconde, on nous disait, non, non, mais surtout. Euh, vous êtes en littéraire, donc euh, c'est ça qui compte. C'est pas les, c'est pas les arts plastiques. Euh, là, tout d'un coup, ça devenait une matière importante, euh, donc euh, avec euh, des cours hyper structurants, avec des rendus, avec euh, l'apprentissage d'une rigueur, de la propreté, de euh, d'apprendre à travailler vite, à euh, euh, et sous pression. Peu importe ce qu'on a fait la veille, euh, il faut trouver des solutions rapidement, euh, et, puis, euh, et puis, on se retrouve avec euh, une centaine de personnes dans le même atelier qui ont la même exigence, le même goût, le même désir et une véritable émulation. Moi, la plupart de mes copains euh, que j'ai encore actuellement viennent de cette année de prépa euh, qui a été extrêmement formatrice, quoi. Et alors, t'as arrêté au bout d'un an? Bah, j'ai eu les arts déco. Je savais même pas euh, ce qui s'y faisait, mais en fait, comme j'avais des copains qui passaient les arts déco, et il se trouve qu'on s'est retrouvé une année où, euh, où le concours des arts décoratifs s'était euh, ouvert sur le dessin. Et donc, notamment, euh, je crois que l'année d'avant, il n'y avait pas eu de modèle vivant, euh, et là, il y avait une épreuve de modèle vivant, et euh, donc, du coup, ça a été le. Bon, ça a été le carton, quoi, parce qu'on avait, on, on avait été vraiment, euh, vraiment formé à ça euh, pendant, alors, notre année à, pendant notre année à Penningen. Quoi. Donc on s'est vraiment retrouvé euh, euh, tout, euh, tout un ouais. petit groupe à, à être pris aux arts déco. Euh. Alors moi je pensais euh... que les arts déco, justement, c'était très axé dessin, mais c'était quoi avant C'était plutôt euh, artisanat manuel et... bah, C'est-à-dire qu'il y avait Donc, plutôt des... des épreuves, Enfin en tout cas l'année d'avant, c'était plutôt des épreuves en volume. Et je pense que moi, si j'avais passé une épreuve en volume avec collage, découpage et tout, je, je pense que je n'aurais pas réussi à avoir le concours. Quoi. Mmh. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu un coup de bol. Je suis rentré la bonne année. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, les, les astres se sont alignés pour que je puisse y rentrer. Et donc, du coup, tant mieux. Et c'est intéressant parce que ma dernière invitée, Sarah Kahn, justement, a passé les deux, Penningen et Les Arts Déco, et est restée à Penningen. Et toi, tu es parti aux arts déco. Alors, je, du coup, est-ce que tu as une raison euh, fin, autre que euh, juste le fait d'avoir vu les arts déco, euh, d'avoir vu de la lumière et d'être resté Tu aurais pu rester à Penningen. Comment s'est fait ton choix entre les deux bah, Penningen, c'est une école privée qui est super chère et que j'avais pas les moyens. Ah oui, ouais, c'est une, une bonne raison. Ouais. Et que déjà, en fait, quand moi, je me suis retrouvé à Penningen, euh, bon, euh, j'étais mais mort de trouille en me disant, mais. Qu'est-ce que je vais découvrir là-bas, quoi Moi, je venais de de l'Essonne, euh, Morceaux sur Orge, et là, j'arrive à Paris euh, et je me dis, mais je vais me retrouver dans une école privée avec euh, des gens qui ont des moyens. Euh, et bon. Alors, euh, comment c'est Pourquoi avoir choisi Penningen, plutôt que euh, je sais pas Il devait y avoir des, des facs d'appliquer ou des choses comme ça. Euh, je me voyais pas en fac. Euh, je me voyais pas en fac, les beaux arts. Moi, j'ai une passion pour la peinture depuis, depuis vraiment toujours. Enfin, je veux dire, j'ai, euh, j'ai une photo de vacances, j'ai 4 ans et je suis en train de compulser le, le, le guide du Prado, quoi. Donc, euh, j'ai toujours adoré en fait la, la, la peinture, mais je me voyais pas en faire. C'est-à-dire que pour moi, la, la peinture, c'est vraiment l'art ultime. Euh, euh, donc je me voyais pas aux beaux arts. Euh, j'avais envie de concret, j'avais envie de pratiquer. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu dans, dans cette démarche-là. Donc euh, ils ont entendu parler en fait de, de, de Penningen. On a vu les portes ouvertes et, euh, et c'est vrai que ça faisait très très envie. Et donc bah, ils m'ont dit bah, écoute, très bien, euh, tu fais ton année." Et je, veux dire, je après moi je reconnais. Enfin, je pense que c'est une école qui est excellente. Après moi, j'étais je... très content de faire la prépa. Je pense que la deuxième année, elle est aussi assez bien. Il m'a fallu des années avant d'arriver à, à dompter ou à travailler le graphisme. Or euh, là-bas, c'est vraiment le travail de la lettre. Je le... n'étais pas prêt pour ça, quoi, à l'époque. D'accord. Et alors, les arts déco, qu'est-ce que tu en as retenu bah Pour moi, si on sait pas, euh, si on sait pas ce qu'on veut faire quand on y rentre, en tout cas, euh, quand on en sort, il y a quand même une espèce d'évidence. Pour moi, c'est une école qui est vraiment un un révélateur de, de personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des moyens techniques. Il y a vraiment, mais euh, c'est énorme. C'est énorme. Euh, euh, alors, c'était un vrai choc en, en y rentrant, parce que autant euh, Penningen, il y avait une rigueur, un rythme de travail euh, conséquent. Et alors, arrivé aux Arts Déco, il y a une espèce de palier de décompression où là, mais. Euh, oh, mais là, mais c'est euh, à crever d'ennui, quoi. C'est-à-dire que il euh, y a des il des types de formules en fait que je trouve extrêmement importantes et qui et qui me sont restées en fait. Je trouve que dans ces premières années, les conseils ou les ou les expressions que peuvent nous donner certains enseignants sont euh, pour moi euh, extrêmement fortes. Quoi au lycée. Euh, J'avais étudié euh, du spirituel dans l'art de Kandinsky et l'expression de la nécessité intérieure euh, est vraiment restée comme quelque chose d'extrêmement... Enfin, euh, dans mon ADN, quoi. À Penningen, euh, un prof qui a traumatisé, je pense, des générations d'élèves qui s'appelaient euh, euh, Troublé. Euh, moi, j'aimais beaucoup parce que il donnait la niaque quoi. C'est-à-dire qu'il pouvait être capable de déchirer un dessin ou de dire que c'était vraiment de la merde. Et euh, mais euh, mais du coup, il y avait euh, ça fait l'œil, quoi. C'est-à-dire quand on voit dix dessins euh, affichés sur une corde, les uns à côté des autres, euh, sur le même sujet, on voit comment chacun a réussi à répondre aux contraintes et euh, et du coup, ça ça oblige à se positionner. Et puis à apprendre des autres. Et il disait euh, pas un jour sans un trait, quoi. Donc moi, c'était des formules comme ça qui me sont restées, euh, tout comme euh, d'autres profs de dessin d'observation qui euh, nous avaient justement aidés à faire nos dossiers pour pouvoir rentrer aux arts déco et qui nous avaient dit mais vous savez, euh, là, on fait vraiment un travail, un tri, euh, mais euh, là-dedans, dans les sujets que vous avez faits, vous ne pouvez pas savoir. Peut-être qu'il y a des choses euh, qui vous paraissent anecdotiques maintenant et qui seront fondamentaux pour vous plus tard. Et il se trouve que euh, dans les derniers sujets de Penningen, on avait eu un sujet sur euh, la marionnette. Et par rapport à ce que j'ai fait après, en fait, euh, ça m'est resté. C'est-à-dire euh, travailler, transposer un dessin dans du volume, voilà, ça a été euh, pour moi, euh, c'était une expérience qui m'a vraiment marqué. Donc j'arrive aux Arts Déco euh, avec euh, ce, ce profil extrêmement scolaire. Et. Euh, et je ne sais pas pourquoi, mais je décide de faire tout sauf du dessin. Euh, parce qu'en fait, on devait s'orienter en. Il bon, y avait la première année qui était un tronc, tronc commun. Et puis ensuite, on devait se retrouver soit en image, soit en espace. Et, euh, et ce que je trouve fascinant dans cette école, c'est que c'est une école qui. Enfin, bon, c'est que mon point de vue, mais qui, qui s'autogère. Les sections phares peuvent bouger d'une année à l'autre ou, euh, par exemple, pour y être retourné je trouve que la section textile est hyper intéressante, alors que moi, à mon époque, c'était, euh, mais c'était en déshérence. quoi. Ça dépend peut-être des profs qui Ça font dépend la... des profs, ouais. ça dépend des élèves, et du coup, moi, je sais des que mon, mon cursus, en fait, euh, bah, c'est en voyant les travaux des élèves que ça m'a donné énormément envie de, d'aller bah, voir dans certaines sections. Donc, j'ai fait euh, archi mobilier scénographie parce que j'étais absolument mauvais en, en en bricolage et je voulais apprendre à me servir d'une perceuse d'un tournevis je voulais travailler euh, comme j'avais toujours tendance à dessiner enfin euh, sur du papier tout d'un coup de se retrouver à justement bah, travailler du volume ou euh, des matériaux euh, c'était une catastrophe, hein. c'est-à-dire que je ne suis pas fait pour le mobilier, j'ai dû repasser mon UV parce que j'avais fait une chaise qui ressemblait plus à... étais dans quelle section toi Là j'étais en mobilier, en fait c'était la section volume où on avait par trimestre, on avait archi, donc il avait fallu qu'on fasse des plans pour faire un bar. Euh, mobilier, il fallait faire une chaise et nos c'était la grande époque de Richard Peduzzi comme directeur des études et il avait réussi à faire venir... Tous les scénographes de la place de Paris, donc il y avait Guy-Claude François, euh, Nicky Rietti, euh, et c'était absolument formidable. Donc en mobilier, j'avais fait une chaise qui ressemblait plus à, on aurait dit, à un instrument de torture de la hammer. Donc c'est après que j'ai compris qu'en fait une chaise, c'était une assise à un mètre, un dossier à 50 cm. Enfin, j'avais pas du tout le sens pratique. Bon, on apprend autant de ces échecs que de, que de ces succès. Il paraît. Voilà, et donc du coup, bah, j'ai... On ne te, te l'enseigne pas en cours en disant, voilà, la 6 c'est un mètre, je sais pas. Bah, ou peut-être qu'on a, a certainement dû me l'expliquer, mais c'est peut-être moi qui l'ai mal compris. Alors c'est marrant parce que tu disais que tu étais rentré aux arts déco sur un espèce de coup de chance parce que c'était beaucoup lié au dessin. Et que l'année d'avant, si tu avais été pris sur des éléments en volume, tu n'aurais pas été pris. Et pourtant, une fois que tu es rentré, tu fais pratiquement que du volume, quoi. Oui, mais parce qu'en fait, je me suis dit que je... Alors, j'espère je, je, ne pas me tromper, mais euh, je pense que l'expression le, par le dessin est tellement constitutive de, de ce que je suis que euh, ça me paraît impensable de pas dessiner. Donc, je voulais apprendre d'autres choses, euh, accumuler d'autres expériences pour euh, m'enrichir intellectuellement, enfin, c'est d'avoir une espèce de curiosité. Euh. Quand tu finis, du coup, les arts déco tu sors avec quel genre de diplôme Diplôme de. Alors après, alors en fait, euh, quand j'ai fait donc ces cours-là, on te voit être en troisième année aux arts déco, et là je me rends compte qu'en fait scénographie, ça m'intéresse, mais des étudiants bien plus talentueux que moi qui deviennent obscurs assistants de scénographe et tout. Euh, donc je me dis c'est pas forcément pour moi et donc là je m'oriente vers euh, la section vidéo parce qu'il se trouve qu'il y avait aussi des, des projets en vidéo qui étaient passionnants et donc là j'ai fait, euh, c'était vidéo expérimentale donc là je découvre Bill Viola, euh, Gary Hill euh, où on nous apprend que la télévision c'est le mal, que faut travailler dans l'art, il y avait aussi tout un travail de documentaire donc là pour le coup, alors, du coup je me retrouve des week-ends avec une caméra chez moi euh, à filmer ma grand-mère, à filmer ma banlieue, à me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça Et là, euh, je ramène en fait tout ça vers euh, vers le dessin, vers l'image, et en fin de compte, mon film de diplôme est devenu une espèce de d'agglomérat de euh, toutes les expériences que j'avais pu euh, incorporer ou apprendre pendant mon parcours des arts déco, et ça devient une espèce de film hybride euh, mi vidéo mi-cinéma d'animation en, en stop motion, en marionnette. Euh, parce que j'ai pas du tout de formation d'animation. La section dans laquelle j'étais s'appelait vidéo documentaire cinéma d'animation. Et je dis, bah, s'il y a cinéma d'animation, je veux faire du cinéma d'animation. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait un prof qui donnait des cours d'initiation, en fait, il donnait des blocs de feuilles. On faisait son animation à l'aveugle. Il refilmait tout ça sur banc titre et il projetait le film une fois. Et après, il disait Voilà, vous avez fait de l'animation. Et euh, à cette époque-là, donc on est en quatrième année aux Arts Déco et je décide de euh, dire Bah, moi, je veux faire vraiment un film. Donc, euh, euh, je vais voir le directeur. Je lui dis Écoutez, moi, je, il y a une section animation. Euh, J'aimerais qu'il y ait un intervenant qui me suive techniquement sur ce projet-là. Et donc là, euh, j'avais fait un stage en fait, sur un film punk euh, qui s'appelait euh, « Tutu dans la rue » de Pacal, qui avait fait en fait vidéo aux Arts Déco, euh, où j'ai fait « Gouacheur sur, » sur son film. C'était enfin, ouais, des cellos ou Ouais, c'était des cellos sur cellulo. Euh, et donc là, il y a Georges Sifianos qui était euh, responsable d'animation, enfin directeur d'animation et co-réalisateur en fait, du film. Et euh, je lui demande s'il veut bien venir être... Euh, Superviseur technique sur mon projet de diplôme. Et, euh, et en fait, la section animation s'est montée l'année après moi aux Arts Déco. À la, vraie section la vraie section animation que maintenant tout le monde connaît. Donc, euh, je suis un peu préhistorique en fait de, du truc. Euh, et je pense que c'était la meilleure. Enfin, vraiment une promo, mais une promo de fou quoi. Avec Sébastien Lodenbach euh, qui a réalisé La jeune fille sans main, euh, Marie Pacou qui fait son film de diplôme qui s'appelle Un jour, qui est un pur chef-d'œuvre, euh, euh, Marie Jolon, vraiment des gens euh, extrêmement euh, talentueux euh, donc euh, qui avaient en fait la même envie de, de faire de l'anime. et euh, Donc pour revenir à ta question, euh, quand je sors des Arts Déco, je me retrouve major de promo avec mon film qui est un film. Sauf professionnel, parce que euh, oui, j'avais travaillé en fait à la Fémis. Euh, le chef opérateur, en fait j'avais passé une annonce à la Fémis, et donc le, le chef opérateur qui était étudiant à la Fémis me dit Bah écoute, je suis désolé, je peux pas assurer sur ton film parce que j'ai des cours de trucage exactement au moment où tu as prévu de faire ton tournage. Alors, je me dis C'est mort, ça y est, je suis, euh, je vais pas y arriver. J'avais pris contact avec un autre type de Louis Lumière qui m'avait planté aussi. Donc, au final, le type de Louis Lumière me dit :« Je connais quelqu'un d'extraordinaire qui va venir. Euh, » euh, Donc, euh, Mathieu Agnery, un type de 18 balais. Je me suis dit :« Mais on va, on va se, on va se taper dessus. » Au bout de deux jours, en fait, on a passé, euh, je sais pas, deux mois euh, dans une loge de maquillage à la fémis à tourner en fait mon film de, de diplôme parce que le chef op donc Jean-Louis Padis, euh, avait réussi à nous dégoter une pièce pour pouvoir tourner et donc euh, donc voilà donc finalement j'étais un peu en... j'ai un peu découvert en fait enfin j'ai trouvé les moyens qui me, qui me permettaient, en fait de faire mon, mon projet euh, et, euh, et il s'est fait pratiquement hors sol quoi il s'est pas fait enfin il s'est fait avec une caméra euh, 16, euh, des, des arts déco euh, donc euh, de façon assez euh, assez empirique et donc euh, je me suis bien dit que de toute façon c'était n'était euh, pas un film qui me permettait de j'étais content de l'avoir fait parce que enfin j'avais quelque chose qui me ressemblait qui était tout à fait euh, le, le, le en adéquation avec tout ce que j'avais pu euh, acquérir aux arts déco mais pas du tout professionnel donc du coup je fais un post diplôme aux arts déco, en image de synthèse, et là j'apprends, euh, j'apprends un logiciel sur Silicon Graphics qui s'appelle Explore. C'était il y a longtemps. Ça. Bah ouais, mais je suis, oui, c'est il y a vingt 20 ans quoi. Ouais, 20 ans. Donc j'apprends Explore, qui est l'ancêtre en fait de Maya. Donc je fais un film à l'époque où on avait un an, qui alors c'était vraiment pas intuitif quoi. Et je suis pas technique. Quand je suis rentré aux arts déco on pouvait encore travailler avec du lettraset et même penningen en fait on travaillait euh, au tir ligne à la gouache enfin tout en tradit. Euh, sorti des arts déco tout le monde travaillait sur ordinateur euh, euh, c'était une évidence quoi et donc euh, du coup pour moi je sentais bien qu'il fallait quand même que j'apprenne que j'apprenne photoshop que j'apprenne à travailler avec euh, avec l'informatique et donc quand je suis sorti de ce post diplôme j'ai trouvé du boulot chez Fantôme. Est-ce qu'on peut encore le trouver, le film à la fin de Oh, C'était ce Adrénaline. C'est en 3D. On l'a fait à 3. Je pense que maintenant, avec le 4K et tout, ça ne doit même pas être du... Euh, c'est du quart de def. Enfin, c'est... Il n'y a pas de compo. Enfin, bon, c'est... Mais bon, voilà. Euh, en tout cas, grâce à ce film-là, j'ai trouvé du boulot dans l'image de synthèse. Je me suis retrouvé à travailler de nuit chez Fantôme. J'arrivais à 17h, je repartais à 2h du matin. Je rentrais chez moi, je me couchais direct, et le, je me levais à 9h, et là, je commençais à gratter sur des projets perso. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours, du coup, gardé cette espèce de stratégie du, du mauvais élève, c'est-à-dire de, de faire mes dessins dans les marges. J'ai fait mes 507 heures. Je me suis fait virer pratiquement euh, bah, au moment de Noël, en fait, à peu près. Euh. Et en fait, après ça, je me suis dit, mais. J'ai pas envie de continuer dans la synthèse. J'ai envie de faire mes projets, quoi. C'est vrai que tu fais peur du loup. La peur du loup, ouais. ouais. J'ai rencontré Aton Soumache, qui venait de monter euh, sa boîte de prod, Onyx Film. Parce qu'en fait, il fallait un producteur pour pouvoir présenter le CNC. Bon, il voit mon projet. Je pense que ça devait pas l'attirer plus que ça. Mais euh, en même temps, à l'époque, je crois qu'ils étaient que. Ils avaient développé deux, trois projets. Enfin, ils avaient deux, trois projets dans les tuyaux. C'était un projet en 2D. Il me dit, bah, écoute, très bien, on le dépose au CNC. Je le dépose au CNC, je me fais étendre. C'est-à-dire qu'on me dit, euh, mais c'est trash, ça va pas du tout. Euh, c'était une histoire, donc la, la peur du loup, c'était les, les contes de fées, en fait, pris, euh, pris à rebours, quoi. C'est-à-dire un, un grand méchant loup qui comprend rien à ce qui lui arrive. Et là, c'était une espèce de truc Frankenstein où il est, euh, il est aux prises avec une espèce de savant fou. Enfin, il faut, si on définit un peu le contexte, c'est qu'il y a trois petits cochons euh, qui sont surexcités. Euh, qui sont alors ça, c'était ça, la, ah, la deuxième version. Okay. C'est-à-dire que je, à ce moment-là, euh, je présente le projet, je me fais étendre au CNC. Là, je travaille sur une série qui s'appelle Poetica, qui était en fait... Euh, alors, je pense que tous les mecs qui voulaient faire de l'animation euh, sur la place de Paris se sont retrouvés à, à travailler sur cette série. C'est l'équivalent actuellement de euh, « En sortant de l'école ». Euh, qui est en fait euh, euh, initié par Delphine Maury. Euh, chaque année, ils prennent un auteur, un poète, et donc euh, les étudiants sortis de toutes les grandes écoles, en fait, les, les réseaux de, des écoles d'animation, euh, peuvent postuler. Et donc, euh, ça donne des, des, un laboratoire euh, graphique. Donc, euh, Poetica, je me retrouve en fait à travailler là-dessus. Euh il y a eu, euh, je pense, Sébastien Lodenbach, euh, Bertrand Mandico, qui a fait ses premiers films là-dedans. Euh, et donc, bah, euh, je ne sais pas, il doit se passer trois mois, quatre mois. Et là, j'ai à ton euh, Soumage qui me rappelle, qui me dit, mais euh, tu, tu veux continuer ou pas euh, sur, le, sur ton projet Et je me dis, bah oui, oui. Et donc c'est là où euh, on développe un scénario complètement différent sur La peur du loup, toujours avec le même titre. Et là, ça devient un 18 minutes. Avant c'était combien Avant c'était vraiment court-métrage quoi, c'est-à-dire 7-8 minutes, ce qui est déjà long pour un court. Et là, euh, Atom me dit mais euh, c'est 18 minutes, j'ai peut-être des contacts euh, pour pouvoir faire un spécial télé. Et donc euh, on décide de le présenter chez TF1. Et là, euh, TF1 nous dit Très bien, on, on veut bien le faire. Et là, on s'embarque sur un 26 minutes produit pour la télévision. On monte un studio pour pouvoir faire le film. Qu'est-ce qui vous fait monter de 7 à 18, plus à 26 Parce que si vous vous êtes à 7 minutes, a priori, on devrait se dire bon, bah, on va peut-être pas pousser à 18. Euh, parce que, je sais pas, j'ai réécrit le projet, je l'ai repensé complètement différemment. Et là, ça a plu à tout le monde, et du coup, vous avez monté en, en 18 minutes. La bonne idée que j'ai eue, c'était de prendre un univers que tout le monde connaît qui est identifiable euh, immédiatement et de, de le tordre, c'est-à-dire ouais. du coup, euh, et si le grand méchant loup euh, devenait végétarien, et si finalement les méchants du film ça devenait en fait les trois petits cochons, euh, du coup quand on a vendu ça à TF1, il pouvait, il euh, y avait une espèce de garde-fou qui était de dire, bah euh, non, euh, les petits cochons peuvent pas être des copains du loup parce que euh, c'est pas cohérent et donc euh, donc j'ai eu un jeu euh, Là encore, une fenêtre de tir. Euh, je sais pas. Euh, Soumache aussi est quand même un type extrêmement euh, euh, volubile et brillant. Il est capable de, 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 de pouvoir euh, euh, trouver des, 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 des budgets pour. Euh, il sait donner envie. Et je pense que bon, lui, enfin, on, on, on a. Bon, je pense que maintenant, il fait plus ça. C'est-à-dire que mais on avait fait des, des boîtes. Enfin, c'est là où je me suis servi en fait de tout ce que j'avais acquis. Euh, en scénographie, en archi, euh, ouais. c'est-à-dire de faire des boîtes, des volumes pour donner envie d'arriver chez le, chez ces gens qui voient que pareil que du papier et qui voient tout d'un coup euh, euh, des, euh, les illustrations en volume. Parce que ouais, ce que j'avais oublié de dire, c'est que on avait d'abord tenté de le présenter à folle image pour pouvoir le faire le film, parce qu'à l'époque. Euh, c'est l'époque du moine et le poisson. C'est l'époque euh, où ils avaient en fait des, un module artiste en résidence. Et en fait, je l'ai pas eu parce que il euh, y a une série qui se montait de Pascal Lenôtre qui s'appelait euh, Hospital Hilltop. Et en fait, ils avaient mobilisé euh, tout l'espace de, de studio pour pouvoir euh, faire la série. C'était un stop motion aussi. Ouais. Et donc du coup, ben voilà, je l'ai pas fait là. Mais euh, donc, du coup, là, on parle de. C'était en 99. Parce que Père du Loup, c'est pas tout à fait dans l'esprit du mois des poissons. Non. Qui est très lent, très. Euh, assez poétique, etc. Alors que Peur du Loup, c'est assez euh, énergique. Enfin, je veux dire, a... c'est plus trash, quoi. Ouais, c'est plus trash. Bah, D'ailleurs, c'est tellement trash que finalement, TF1 l'a jamais diffusé. Hein. Ah. Parce qu'on a eu une note d'un psychologue disant que ça pouvait éventuellement traumatiser les enfants. Donc. Euh... Parce que euh, c'est vrai que dans tous les, dans, même dans Vie de famille, qui était mon projet de diplôme, euh, à, à chaque fois j'ai conscience de faire des choses qui peuvent être un peu, un peu bizarres ou euh, et donc j'avais la volonté de faire quelque chose qui soit accessible ou en tout cas qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire que donc du coup j'avais euh, fait des portraits de familles fantasmées, mais par exemple dans Vie de famille, j'ai filmé mon père. Et après, c'est hein. mon père avec euh, la transposition dessinée, qui est assez gratinée, d'ailleurs. Euh, donc, euh, voilà, mais il y a une espèce d'effet de défaite métamorphose en fait, où on passe de, de, la, de la vidéo à l'animation. Et pour La Peur du Loup, euh, bon, le fait d'avoir de, des figures de conte bon, bah on, on a tout de suite, en fait, une image très, très identifiable. Euh, euh, avec mon graphisme quoi mmh. et donc euh, bon voilà c'est je pense qu'à chaque fois j'essayais de, de garder une espèce d'équivalent euh, bon euh, de donner des des, des, des hum, clés des clés aux gens pour aux gens pour, euh, ouais, pour, aux, aux gens le pour pouvoir ouais. le suivre le film je, je pense que ça c'est un peu l'espèce d'obsession que j'ai euh, euh, par rapport à, à ce que je à ce que je fais alors avant de parler de tes autres projets est-ce que tu as un artiste fondateur qui t'a fait donner vraiment envie de faire euh, tout ça euh... Un auquel tu penses plus bah, euh, pff, Après j'ai un Panthéon qui est très très chargé. Euh... Justement, est-ce qu'il n'y en a pas un qui se détache Ah oh, bah Giro. Giro. Jean Giro, euh, Moebius. Euh, euh, ouais, c'est mon... Enfin, c'est mon... Moi c'est mon... C'est mon dieu, quoi. cest la première bande dessinée que j'ai achetée, c'est. Euh, je l'ai achetée à un copain. Euh, et c'est euh, Tonnerre à l'Ouest de, de Blueberry. Et. Euh, donc moi, enfin, je sais pas. Puis en plus, j'avais tendance à lire euh, du Razer, du, du, du Lausier, euh, quand j'avais 8-10 ans. Euh, donc, euh, assez vite des, des trucs adultes. Et notamment Lincal aussi, euh, qui a été un vrai choc, quoi. Mm. Donc. Euh, et donc j'étais retombé là je, euh, chez mes parents là cet été sur un journal du collège où je où j'ai fait quelques planches qui sont absolument atroces en bande dessinée et qui sont une espèce de de, de assez mal fait de, de de ce qui est en haut de l'incal quoi donc euh, oui oui je dirais je dirais Moebius alors c'est marrant parce que en refeuilletant toutes tes œuvres etc où apparaissent quand même pas mal de monstres dont on parlait de tout à l'heure. Ça m'a fait penser euh, au dernier recueil de Moebius justement. Euh, la, 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 la faune, faune de, de Mars. Mars. Ouais. Puis il euh, y a oui. plein de, de monstres bizarroïdes. Bah, euh, c'est voulu, là ou pas bah, euh, pas... Non, non, c'est pas voulu. Bon, là, là, on fait toute une aparté sur, finalement, l'animation. Et c'est vrai que j'ai passé dix ans dans l'anime. Mais je pense que, donc fondamentalement, donc mon outil de création, c'est le dessin. Et, euh, et ce qui me constitue, c'est l'art graphique et la bande dessinée. Mais avant de trouver euh, les moyens techniques pour pouvoir euh, en faire et passer en fait du dessin compulsif euh, assez euh, jeté comme ça, il m'a fallu des années. Et quand je me suis retrouvé finalement à publier mes premières bandes dessinées et que je me suis retrouvé à aller à Angoulême avec euh, ma carte de dessinateur, je me suis retrouvé. Euh, J'ai cherché la bulle dans laquelle il y avait euh, Giro. Et en fait, il était dans la bulle plutôt des euh, livres d'occasion. Il avait son stand Stardom. Et donc je rentre avant que les bulles soient ouvertes. Donc il y avait une espèce de meute à l'extérieur. Et je vois en fait la, la bulle Stardom. Et je me dis, tiens, il n'y avait que des reproductions de, de Moebius là. Donc j'attends. Euh, donc il y a cinq personnes qui me passent devant, il y en a 20 qui me passent derrière, et là il y a Giro qui arrive, et c'est la seule fois où en fait j'ai pu discuter avec lui et le rencontrer, et donc euh, j'avais mes carnets avec justement mes bestioles. Alors il regarde ça, il dit ah c'est marrant parce que je suis en plein là-dedans. Ah c'est marrant ça. Ouais. Alors ça a été assez furtif quoi. Puis après bon, sa femme est arrivée et lui a dit euh, bon Jean, ça serait peut-être bien que tu accélères un peu et je j'ai pas su quoi lui dire de parce que je me suis senti un peu en mode euh, fan de base et euh, voilà, ouais, face ouais. à la montagne quoi. C'est un peu mon dieu aussi. Euh, voilà je bah euh... je l'ai rencontré de la même manière mais dans un, un... chez Stardom justement quand il faisait une dédicace mais avec Jean il y avait 10 personnes. Et c'est vrai qu'on ne sait pas quoi dire dans ces cas-là. Bon, après, euh, voilà, quand, euh, quand tu me poses cette question-là, en même temps, je suis, je suis un peu mort de honte parce que quand je vois ce que je fais, je veux dire, il n'y a pas de comparaison ou de. Parce que j'ai un bureau où j'ai absolument. Face à moi, j'ai mes obsessions. J'ai des images qui sont mes graales, quoi. Enfin, et euh, 40 jours dans le désherbé, euh, ah oui. il est toujours à portée de main. Je ne sais pas comment. Euh... Tout comme aux Arts déco, quand je suis arrivé, il y a De Crécy avec Foligato, qui pour moi a été un, un choc graphique absolument phénoménal. Tu as fait beaucoup de stop motion, du coup. Tu dis que tu as passé dix ans dans l'animation, mais c'est en fait surtout dix ans dans l'univers du stop motion ou tu as aussi pratiqué le dessin animé 2D. Parce que en tant qu'illustrateur, on s'attend plus à ce que tu fasses de la 2D, a priori. non alors, tu, dans, dans, la, dans ta présentation de début, tu, tu m'as qualifié d'animateur, et en fait, je ne suis pas animateur. Ah. Je ne suis pas animateur, je n'ai pas appris l'animation, je me considère plus comme un, un, un dessinateur graphiste qui essaye de transmettre son univers, et, euh, et il se trouve qu'après, j'ai travaillé bah, dans la stop-motion avec des gens avec qui euh, j'ai pu euh, les de les, les concevoir quoi c'est-à-dire le, le chef décorateur un chef opérateur les animateurs euh, euh, et si j'en suis venu en fait à la stop motion à la marionnette bon déjà il y a eu l'étrange Noël de Monsieur Jack qui a été un vrai choc visuel et graphique et aussi parce que je me sentais incapable de reproduire deux fois le même dessin or en en faisant un personnage en volume, on lui donne une matérialité, on lui donne une existence. Après, avec les lumières, on a, euh, voilà, il y, y a tout d'un coup une espèce de, de matérialité qui devient euh, beaucoup plus évidente, quoi. Et donc, c'est ça qui m'a plu, en fait, dans ce travail. Après, à côté de ça, j'ai un peu un CV d'OVNI parce que j'ai travaillé avec des gens euh, qui restent quand même extrêmement singuliers dire Christian Volkman, j'ai travaillé sur son court-métrage Maze qui est totalement ovinesque quoi. Enfin sur ce film là, euh, moi j'ai travaillé sur la séquence de danse. Donc c'était tout en prise de vue réelle, euh, euh, retouché sur Inferno euh, et il y avait une séquence de bal où il avait pris tous ses copains qui devaient danser et il devait danser la valse et, et c'était il savait pas danser la valse et c'était censé être la séquence la plus poétique. Et donc euh, bah, je dis à Christian bah écoute si tu veux on, on on la retouche image par image et on s'est retrouvé euh, tous les deux à travailler dans son studio à retoucher image par image sur Painter des séquences et j'ai jamais refait ça après euh... Ça donne quelque chose d'assez spécial quoi. Voilà et donc c'était vraiment une expérience et, et, et ce que j'ai aimé c'est de me mettre au service d'un univers fort euh, de, de pouvoir comprendre ce que la personne veut, veut réaliser d'essayer de, de, de trouver les solutions pour euh, qu'elle arrive à ses fins ouais c'est ça et d'ailleurs tu travailles avec, euh, sur Renaissance avec euh, le même réalisateur ouais c'est pas et tu aussi résous des problèmes techniques euh, pour je sais pas euh... non il se trouve qu'en fait c'était euh, un film en motion capture euh, lui il était au Luxembourg pour diriger en fait les, les comédiens ils avaient lancé la production euh, chez Attitude Studio euh, sur Paris et ça faisait trois mois qu'ils étaient sur des tests et que euh, il y avait eu tout le travail de pré-production qui était extraordinaire euh, avec Julien Renou sur le Kera design euh, Gérald Parel euh, pareil pour le développement graphique des personnages euh, euh, Antoine Poulin sur les décors euh, Laurent Gapayard enfin euh, mais vraiment mais c'était absolument fabuleux, et on voyait le résultat en synthèse, et ça donnait rien du tout. Et donc, bah du coup, il me dit « Est-ce que tu peux essayer de voir euh, si tu peux pas faire quelque chose là-dessus » Donc là, on est en 2003. J'étais en train de développer un long-métrage, pour moi. Euh, je lui dis « Bah écoute, oui, j'ai un peu mes projets aussi, mais euh, écoute, je veux bien. » Je suis resté six mois, en fait, sur Renaissance. Enfin, il, lui, il, il y a passé huit ans, quand même. Hein. Donc, du coup, j'ai un peu l'impression d'y être allé, euh, je sais pas... À l'échelle de, 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 mmh. de la production, c'était quand même relativement court. Voilà, on a lancé en fait tout le travail de, en fait qui était juste un travail d'adaptation, pas euh, de, de, de retranscription en fait des intentions artistiques avec le médium euh, synthèse quoi. Ouais. Parlons de tes projets. Oui. qu'il y en a quand même pas mal. Euh, tu euh, tu commences une bande dessinée en 2012 qui s'appelle L'étrange réveillon avec Bertrand Santini. Qui est en fait l'histoire d'un garçon qui invite des morts au réveillon de Noël. Ouais. pas C'est un livre jeunesse. C'est un livre jeunesse, ouais. Mais après, tu fais Dans la forêt, qui est un livre que tu as écrit toi en 2013, qui a un univers assez fantasmagorique qui parle d'une. De, de beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas comment le résumer exactement, mais. Oh, euh... C'est l'histoire d'une petite fille qui. Qui, euh, qui est entraînée dans la forêt et qui rencontre des monstres. Et euh, c'est vraiment une histoire initiatique. Sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, en euh, récit, euh, récit fantastique. Euh. Cette histoire-là, enfin, j'avais sorti deux bandes dessinées avant, qui étaient donc euh, Petit Contes léguminesque, qui est plus trouvable, hein, et euh, Les nouveaux pirates, qui était un livre jeunesse. Ça, c'était en 2008, euh, parce qu'en fait, j'avais développé un long métrage hein, qui s'est pas fait, sur lequel j'ai passé quatre euh, ans et qui m'a laissé euh, un goût assez amer euh, parce que ça a clos en fait. Euh, mon expérience dans l'animation avec mon parcours avec Méthode film, avec Aton Soumache. Euh, donc, on avait quand même mené à bien un euh, 26 minutes, une série. Euh, j'avais envie de continuer de travailler avec les équipes avec qui j'avais développé, en fait, ces projets. Et donc, pour les développer, je m'étais dit, bah, on va passer au long métrage parce que là, on aura des moyens. Et finalement, ça s'est pas fait. Parce que, en fait, dans l'animation, c'était déjà le cas à l'époque et ça l'est encore plus maintenant. Il n'y a pratiquement que des adaptations de livres jeunesse, de bandes dessinées. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, en fait, arrivé au bout de quatre ans sur donc L'Arche de Zoé, qui était le long métrage, le projet ne me correspondait plus. Un long métrage que tu avais initié toi, Oui, dont tu ouais, que j'avais initié. Euh, bah, le passage par Renaissance a un peu cassé le, le, le rythme de production. C'est-à-dire que j'avais commencé avec deux scénaristes, Jean-Patrick euh, Benes et Alan Mauduit, qui sont les deux co-créateurs de Kaboul Kitchen. Donc on avait commencé à écrire un scénario. Je me suis retrouvé pendant six mois sur Renaissance. Eux, après, ils sont partis sur autre chose. J'ai ensuite développé le scénario avec euh, Fred Louf. Et là, et là... Tant qui les années, tu te dis, mais voilà, et il y a un moment qui est un peu pernicieux, c'est-à-dire de se dire, mais j'ai passé 4 ans sur ce projet, c'est énorme. Il va encore y avoir quatre ans à passer certainement dessus, euh, en... à partir du moment où il y a les feux verts de production. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer 4 ans sur un film qui ne me ressemble pas Parce qu'à l'époque, le producteur m'avait collé tout un tas de dessinateurs qui étaient extrêmement talentueux, mais qui étaient un peu là à à développer ça comme euh, un peu en mercenaire, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas le côté viscéral. Et moi, je veux dire, euh, toute euh, prétention gardée, ce qui m'intéresse, c'est de, de développer mon graphisme, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais il y a un moment, c'est quand même ça qui, moi, m'intéresse. Donc, je me retrouvais avec une espèce de... Je pensais que j'allais faire euh, Alien à Paris, et ça devenait un peu euh, Oui Oui dans l'espace, quoi. Donc, il y a un moment, euh, c'est plus la peine. Donc, j'ai dit là autant que je revienne à ce que moi j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire de la bande dessinée et un libraire que je connaissais, mon libraire de quartier, me dit tiens j'ai un scénario de, de, de bande dessinée à te proposer. Je lis le truc, je me dis tiens ça me fait penser un peu à, à Dugosini. et je fais l'album. Enfin on se fait jeter de partout de chez Dargaud. Ah, tu finis de dessiner l'album et après vous le présentez à euh, Non on l'a présenté, on avait présenté quelques planches chez Poisson Pilote. Et là, euh, le, le directeur de collection dit, euh, ouais, j'aime bien le scénario, mais le dessinateur, je le trouve un peu vert. Et là, le libraire dit, bah non, mais c'est avec Lionel que j'ai envie de le faire. Ce que j'ai trouvé très correct. Et donc, euh, là, on a Akileos qui dit, bah ok, très bien, pour 2000 euros, euh, 60 pages, noir et blanc. Voilà. Donc, je l'ai fait. Euh, puis après, j'avais un projet jeunesse. Donc, je l'ai fait de 30 pages. Euh, et, et voilà. Et donc finalement, j'ai fait ma mue vers, euh, vers l'illustration. Euh, j'ai toujours eu une activité d'illustration en parallèle de l'anime. Mmh. En, en parallèle de l'abandon la, de, de du long métrage, j'ai un, un ami scénariste donc, que je connais depuis euh, euh, bah, depuis que je suis sorti de, de des arts déco, qui me dit mais écoute, t'as tes carnets, fais un blog, mets les dessus. Et là, je me rends compte qu'en fait, euh, j'adore dessiner des bestioles. Au détour d'un salon de, de bande dessinée, je, je rencontre Guillaume Bianco, qui est le dessinateur de, de Billy Brouillard, qui allait sortir chez euh, Métamorphose dans la collection de, de Métamorphose aux éditions Soleil, qui voit mes dessins et qui dit Mais tu devrais proposer ça à Barbara Canepa. Barbara voit mes dessins, elle me dit Écoute, si tu, si tu nous fais une histoire avec des monstres, de signes. Et là, je pense que mes dix ans d'expérience dans l'animation m'ont beaucoup servi pour trouver l'accroche qui donne envie, en fait, de... Donc je lui ai dit, voilà, c'est une histoire d'une petite fille dans la... qui, qui rentre dans une forêt, qui rencontre des monstres, et euh, on suit son parcours, et là, j'ai structuré, en fait, l'histoire au plus près de, de mon univers graphique. Donc dans la forêt, là où je te rejoins, c'est que je pense qu'en fait, c'est mon album le plus personnel et au plus près de de ce que j'avais envie de raconter. C'est pas le scénario est pas extraordinaire, c'est-à-dire que je suis conscient de mes limites, mais en tout cas c'est l'histoire que j'avais besoin de raconter à ce moment-là. Il se trouve qu'après, euh, je connaissais Bertrand Santini et euh, qui avait écrit Le Yark, qui est un livre jeunesse qui est absolument extraordinaire. Enfin pour moi c'est le Roald Dahl actuel. Euh, donc quand j'ai un auteur comme ça aussi euh, aussi brillant dans les dans les textes, dans les dialogues, euh, ça fait envie quoi. Donc, hum. du coup, euh, on a fait l'étrange réveillon ensemble. Et puis, après, j'avais envie, après, dans la forêt, je n'avais pas de, de projet clé en main. Et il me dit tiens, bah, j'ai l'esprit de Lewis, qui est en fait un long métrage qu'il avait développé pour la Gaumont et qu'il n'avait pas réussi à faire. Et je lui dis bah, écoute, ça m'intéresse. Mais c'est quand même euh, pas mal trouvé, parce puisque vous avez des univers qui se complètent quand même beaucoup des histoires de fantômes, de monstres, de fantasmagories. Ouais, alors, ce qui m'avait plu, parce que je parlais de Régis Jolin, qui est donc scénariste avec qui euh, on n'a jamais réussi à faire un album en bande dessinée. Parce que je sais pas, je crois, soit on est trop proche, soit euh, c'est difficile de trouver un tandem et une alchimie. Euh, euh, il avait co-scénarisé, en fait, la première version de La peur du loup, euh, Régis. Euh, et avec Bertrand, moi, ce qui m'a plu dans, euh, dans l'esprit de Lewis, c'est que ça me permettait de faire un pas de côté par rapport à mon univers c'est-à-dire que pour le coup on est beaucoup plus dans un dans un récit de hantise et une sorte de, de drame romantique et autant je suis à l'aise dans le dans les bestioles autant sur le côté réaliste j'ai plus de mal et dans les architectures aussi si on revient à Giro il y a la phase Giro avec Blueberry où on est dans une virtuosité totale et tout d'un coup, il lâche, euh, il lâche les chevaux avec euh, avec Moebius et là, euh, là, il est dans une espèce de, de de puissance. Bon, dans tous les cas, il y a une puissance graphique, mais euh, et voilà. Et je pense qu'à un moment donné, faut, faut ce qu'on ce qu'on pratique pas, on ne progresse pas. Donc du coup, je m'étais dit, bah je suis une quiche en en, en perspective, euh, en en représentation humaine. Donc sur l'esprit de Lewis, je veux trouver le moyen de d'émouvoir, de travailler les ambiances, de travailler les atmosphères. Voilà. C'est un peu ton blueberry à toi là. Euh, enfin, c'est ce plus de... euh, ouais. bah, en, en tout cas c'est plus mon, mon espèce d'apprentissage classique et de. Et je me dis que après ça, bon, ça devrait aller un peu mieux en... en matière de, de... A... narratif, quoi. Il y a aussi pas mal de, de choses qui res... enfin graphiquement qui ressemblent à dans la forêt. On retrouve des, des choses, euh, je... enfin je pense à cette arche dans la forêt et puis ce... cette entrée dans la dans la chambre aussi de de, de l'esprit Lewis, oui. où il y a des, 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 des espèces de monstres qui sont quand même assez similaires. Donc c'est pour oui, ça bah que ça, les univers ouais. te suivent quoi au fil des même Oui si parce que 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 bah, avez... parce que parce qu'en fait je pense que de travailler sous contrainte, enfin le naturel revient quoi. C'est-à-dire que dès que j'ai pu placer des bestioles, j'ai placé des bestioles dans l'esprit de Lewis. D'ailleurs, je crois que la première page que tu as dessinée dans l'esprit de Lewis, c'était la, la scène double page avec toutes les bestioles qui oh Oui, dans le Oui, oui c'est ça. En fait, c'était le moyen pour moi de, de, de poser le, la ligne graphique de ce que je voulais pour l'ensemble de l'histoire. Donc, du coup, Lewis se fait poursuivre dans un couloir par tout un tas de bestières. Et je me suis après amusé à reprendre en fait, ce bestiaire-là et à le disséminer dans, dans les décors. Et puis euh, même le décor d'arrière-plan, euh, il est très très fortement inspiré par euh, Winsor McCay, euh, le, le dessinateur de Little Nemo in Slumberland, euh, qui est aussi alors euh, pff, qui est un, un c'est est, est un, un monstre quoi, euh, c'est vraiment euh... oui et, et je pense que bon autant dans la forêt, bah, qui va ressortir là d'ailleurs euh, avec euh on a changé le papier, donc je pense qu'il sera plus proche de un peu plus un peu plus clinquant que l'édition là sur euh, Munken. C'est l'édition la... qui ressort un peu différemment. Oui, ça il n'y a pas une suite. Non, 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 non. Dans la forêt, à un moment un, donné, la suite dit je reviendrai. Donc oui. Dire, ah, bah, oui. Que... Alors, comme tout le monde me demandait la suite et que je l'avais pas envisagé, je m'étais dit bah, l'esprit de Lewis, c'est en deux parties, et c'est clairement en deux parties. Donc, je m'étais dit bah, c'est j'ai pas envie d'être que dans du one shot, j'avais envie de travailler du coup sur une histoire à suivre. Euh, et euh, autant le premier tome, le premier acte, on est dans une histoire, dans un huis clos, euh, autant le second, il euh, y a énormément de personnages. qui Ça se passe à Londres, on est dans un environnement urbain, euh, avec tout un travail d'aller-retour entre premier plan, arrière-plan. Enfin, il y a tout un jeu de dialogue. Enfin, bon... Euh, euh, en termes de narration, euh, Bertrand a monté le niveau de, de suspense en fait. Euh, mmh. euh, ce qui me plaît dans l'esprit de Lewis, c'est que je pense que j'ai gagné en, en profondeur. C'est-à-dire que déjà il est plus lumineux, euh, il y a un travail plus, plus clinquant dans les couleurs. Enfin, euh, là j'ai travaillé avec Hubert à la couleur et qui a un vrai sens narratif. Euh, même le format est plus grand, euh, donc euh, le dessin respire mieux. Enfin, voilà, Alors justement, dans l'esprit de Lewis, il euh, y, y a quand même un moment clé où il, il commence à voir ses monstres, etc. Alors je, je sais que tu n'es pas scénariste sur l'esprit le, sur de Lewis, à, à moins que tu t'es adapté. En fait, j'ai pas bien compris si le scénario avait été complètement été, euh, écrit par Bertrand Santini, ou si tu avais mis ta main aussi dans le scénario. Non, moi je fais l'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. euh, le scénario, il est présenté comme un. un C'est un pur scénario de long métrage. Il est, il est écrit pour de la fiction, pour de la prise de vue réelle. Donc toi, t'es parti de ce et scénario Moi, je suis parti de ce scénario, scénario, scénario pour euh, le passer dans le médium bande dessinée et ça n'a juste rien à voir. D'accord. Donc c'est quand même toi qui as qui a découpé le, la, la bande dessinée Voilà, j'ai découpé la bande dessinée pour, euh, pour que ça rentre dans le format et, euh, et que ça reste intéressant dans le médium bande dessinée. Et donc, euh, dans l'esprit de Lewis, justement, il y a un moment où il mange une fraise et c'est à partir de ce moment-là où il voit toutes ces, euh, enfin, ces, ces, ces fantômes et ces, ces choses ouais. qui apparaissent devant lui ouais. Donc, on peut se demander si tout ça est hallucinogène, si ça sort de son esprit. Ou si oui, oui, est, tout à fait. C'est une question euh, auxquelles on aura la réponse dans le prochain ou pas Mais Moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que, en fait, euh, Bertrand ne tranche pas. C'est-à-dire que toutes ces couches de sens euh, subsistent tout au long de l'histoire. Alors, sans révéler après. Euh, déjà, l'esprit de Lewis, on peut l'entendre sous, sous trois, trois formes c'est-à-dire sa personnalité. Euh, la folie la psychologie en fait euh, et l'esprit le, le fantôme de Lewis quoi et, euh, et effectivement on peut on peut se demander si euh, si le fantôme existe s'il a tout inventé pour pouvoir écrire si... Euh, c'est un fantôme euh, qui ressemble beaucoup à sa mère c'est un fantôme qui, qui ressemble beaucoup à euh, sa mère euh, alors c'est vrai qu'après moi je suis un peu abonné à euh, à des récits, euh, le, la première page c'est euh, une scène de cimetière, euh, l'étrange réveillon c'était déjà aussi une scène de cimetière avec des cadavres. Euh, bon, euh, après il a un côté très euh, plein d'humour dans les, dans son écriture, hein, Bertrand. Mais euh, il se trouve qu'en parallèle je travaille aussi sur un projet, enfin euh, un, un roman graphique chez Casterman, euh, de 200 pages sur un type qui est totalement dépressif. Donc ça fait des ça fait des marathons sur des années comme ça sur des projets un peu, euh, ouf, ouf. Ah, il faut avoir, faut, 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 faut avoir de l'énergie. Non, mais ce qui me plaît, par exemple, dans l'histoire de la fraise, dans, dans l'esprit de Lewis, c'est que tout d'un coup, ça amène un truc totalement incongru qui a une importance. Enfin, euh, voilà. Et par exemple, par rapport à la, à la, au côté narratif de la couleur, là, euh, on a vraiment un, euh, une double page où on est. Euh, il a neigé, il trouve une fraise donc dans la neige, et après, il se retrouve à retrouver sa nourrice euh, dans une cuisine où on est dans des tons chauds. Euh, et là, euh, pour moi, Hubert, il a extrêmement bien géré le, le, passage, de, le passage du temps, le contraste en fait, entre couleurs froides, couleurs chaudes. Et par exemple, sur cet album-là, moi, j'ai beaucoup appris par rapport à la, au travail, l'utilisation de la couleur pour, euh, pour faire contraste, pour passer d'une pièce à l'autre, pour faire comprendre sans, euh, sans surligner. Euh, aux spectateurs qu'on qu passe d'un environnement à un autre ou que le temps a passé ou euh, voilà ça fait partie par exemple des des problématiques qui sont euh, qui sont vraiment différentes en fait entre le, 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 hum. le cinéma et la bande dessinée quoi en bande dessinée on a une double page et on doit faire un voyage en, 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 en une double page euh, alors le, euh, la, la couleur peut aussi euh, accentuer servir ouais, aussi ça euh, ouais. Ouais. Un passage d'un univers à un autre. À la fin de l'Esprit de Lewis, euh, Lewis part à Londres et on, sa nourrice suppose que son succès va le submerger et qu'il ne reviendra plus jamais dans, sa, dans son manoir. Le succès, pour toi, c'est quoi Sans révéler forcément ce qui va se passer dans le deuxième euh, tome de l'Esprit de Lewis, mais euh, je pense que ça doit être lié. Est-ce que toi tu penses ou que, ce que Bertrand Santini euh, s'imagine de ce que peut être le succès ce qui me plaît beaucoup, par exemple, dans le deuxième tome et qui fait que je garde de l'énergie pour la coucher. parce qu'en en fait, il euh, y a une espèce de métabolisme lent, quoi, c'est-à-dire de, de de pour tenir en fait le projet comme ça sur euh, sur deux ans, parce qu'en fait, il y aura deux ans entre les deux euh, entre les deux tomes. Le deuxième tome va sortir. Il fin va en sortir. Euh, euh, oui. oui, oui. Normalement, euh, enfin, on l'avait prévu pour septembre, mais alors après, avec euh, toutes les sorties, euh, le Soit c'est septembre, soit c'est janvier, mais euh, janvier 2020, enfin euh, je, je. Mais en tout cas, moi je le, je le prévois pour le finir euh, là sur l'été. Et il fait vraiment une critique du milieu littéraire, euh, du Londres des années... Euh euh, 1899-1900, alors on est en pleine art and craft, euh, c'est euh, Oscar Wilde, c'est. Euh... Et oui, ça fait un bon portrait justement autour du succès, des jalousies, de. Euh, Est-ce que c'est Lewis qui a vraiment écrit son roman Non, c'est peut-être son éditeur, il est peut-être juste une marionnette. Euh... Est-ce que ça fait écho aussi à Lewis Carroll Pas je... du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais je pense qu'il enfin, qu y a un parfum autour de Lewis, Lewis Carroll, euh... euh... mais. Euh... Non moi je pense que le succès est quelque chose de... qu'on peut espérer mais qui est plus accidentel en fait. Moi je... Enfin pour ce qui me concerne, chaque nouveau projet est, 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 mieux accueilli, est mieux accueilli que le précédent. Maintenant, avoir du succès en bande dessinée, ça voudrait dire quand même déjà euh, avoir une régularité de publication. Alors, il se trouve que là je fais deux albums en parallèle, c'est-à-dire un chez Casterman et puis euh, L'Esprit de Lewis, qui sont dans deux registres différents. Et ça, ça me plaît beaucoup parce que du coup, euh, et pour le coup, je ne les ai pas écrits. Donc, euh, donc, c'est deux exercices qui sont euh, pour moi très complémentaires et deux expériences vraiment enrichissantes. Mais comment tu fais tu, tu fais à moitié de la semaine sur l'un et à moitié de la semaine sur l'autre Non, la c'était par à coup. Déjà, j'ai négocié. En fait, j'ai un peu la stratégie de mettre le pied dans la porte, c'est-à-dire de, de signer un contrat et puis de dire bon, bah, là, vous me laissez le temps de le faire. Et donc, euh, du coup, bah, pour le Casterman, je leur ai dit bah, écoutez, vous me. J'ai l'esprit de Lewis qui me, prend, euh, qui me prend vraiment du temps parce que les planches me demandent du. Bah, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport euh, à l'enjeu que je m'étais fixé, c'est-à-dire de travailler le détail, les décors. De, mm. Je fais un certain nombre de planches par, par mois. En gros, j'arrive à en faire 7 par mois. Euh, et puis là, le deuxième tome fait 90 pages, quoi. Donc, du coup, c'est quand même des. Je veux dire, c'est pas le format franco-belge classique. Donc, euh, pour le Casterman, il fait 200 pages. C'est avec un, un Pierre Péju, qui est un romancier pour qui j'ai vraiment une vénération, parce que j'avais lu La petite fille dans la forêt des contes, ouais, qui était un cites, essai. Voilà. Quand j'ai fait La peur du loup et dans la forêt, ce livre a été vraiment une révélation pour comprendre comment... Euh, en fait, j'aime le fantastique, j'aime les contes, j'aime... Euh, donc ça a été vraiment, moi, mon terrain de... Euh, mon humus, quoi. Et donc euh, quand j'ai appris que Pierre Péju avait un roman, une bande dessinée prévue euh, chez Casterman, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir travailler avec lui du coup. Lui l'avait lu dans la forêt, il avait vu ta petite... On s'était déjà rencontrés et donc quand il a vu mon nom par, parmi les dessinateurs proposés pour faire ce livre-là, c'était une forme d'évidence. Mais en fait, là où Bertrand n'écrit pas du tout pour la bande dessinée et où il y a un travail d'adaptation à faire, Pierre Péju n'écrit pas non plus pour la bande dessinée et lui il écrit... Sous forme de roman. Et en fait, il écrit le roman en parallèle de la bande dessinée. Donc, en fait, il m'envoyait des bribes de texte sur lequel moi, je, je découpais pratiquement à l'aveugle et en disant bah, 200 pages, ça paraît énorme, mais en même temps, euh, c'est euh, un paquebot, quoi. C'est-à-dire que pour structurer, pour embrasser en fait l'ensemble du récit, c'était extrêmement compliqué. C'est là où j'ai dit chez Casterman je leur ai dit, vous me laissez le temps. Et donc on a pris le temps. Donc on a avancé par euh, par période, c'est-à-dire où je me focalisais uniquement là-dessus. Il se trouve que je donne des cours, je fais de la direction artistique des films de diplôme à Valenciennes, à Supinfocom, que donc j'ai. Euh, je me fixe en fait des. C'est dans le train, le, les allers-retours que j'ai deux heures pour découper, euh, découper soit soit Lewis, soit. Euh, soit le Frink et Freud ouais. euh, et voilà et donc euh, je m'astreins en fait à passer de l'un à l'autre. Tu fais beaucoup de travail d'adaptation finalement en fait entre les, les livres, les histoires pour les longs métrages. Oui, mais ça revient aussi au goût euh, par rapport au côté littéraire et de ouais. euh, euh, j'adore l'écriture de Pierre Péju, donc euh, j'ai envie que j'ai envie qu'elle se retrouve dans la bande dessinée, c'est-à-dire que du coup euh, qu'on lise autant euh, le texte euh, qu'on apprécie le dessin. C'est-à-dire que le dessin ne doit pas être redondant par rapport au texte et, euh, et chacun doit, euh, doit, doit créer de l'imaginaire. En fait. C'est le, le, le frottement des deux qui fait que euh, c'est plus fort. Quoi. Donc voilà, donc je suis en plein là-dedans. Donc lié plutôt à ma question sur le succès, euh, la réussite, c'est quoi pour toi euh, Je ne sais question. pas, c'est le prochain projet. C'est d'avoir un projet projet ou de réaliser le prochain projet ou de... Non, mais il y a toujours en fait la phase où, euh, où on peut plus voir ce qu'on a fait, quoi. Par exemple, maintenant, je suis assez conscient de me dire bon, euh, quelles sont les raisons pour lesquelles je, je décide de travailler sur un projet et qui doit me tenir tout le long. C'est-à-dire euh, donc euh, pour les WIS, je vois je vois plein de défauts dedans. La réussite, elle est par exemple dans le choix du format, dans le dans les couleurs, et je me dis bon bah le le prochain tome, par exemple, euh, il me paraît mieux que le précédent. Donc euh, c'est à chaque fois c'est des petites victoires, quoi. Et après bah euh, la réussite plus largement euh, c'est d'arriver en fait à, à signer et à vivre de à vivre de mon dessin. Et puis là je suis dans une phase où euh, où finalement je je travaille avec des gens que j'admire. C'est-à-dire que j'ai euh, j'ai une vénération pour l'écriture de Pierre Péju, de pouvoir euh, passer euh, six jours chez lui, euh, à euh, travailler euh, dix heures par jour euh, sur ses textes et à euh, arracher les doubles pages et à se dire « Ah là, ça, c'est vachement bien !» C'est un bonheur de voir un écrivain au travail. C'est-à-dire qu'il écrit les textes en même temps que moi je fais les dessins, il se penche sur les dessins, il me dit « Ah, ça, c'est pas mal !» Et je lis le texte et je me dis « C'est fabuleux !» Ça, c'est un bonheur absolu, quoi. Mmh. Tout comme Hubert qui me propose... Euh, voilà, un texte, je le lis, je me dis mais c'est un orgasme graphique quoi. Tu penses à, ce que, à tous les dessins que tu peux faire sur le texte. Oui oui. Voilà, alors après, j'ai qu'une trouille, c'est qu'ils trouvent que les dessins que je fais ne soient, 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 pas à la hauteur. Mais en fait, euh, voilà, il y a une espèce de stimulation. Le pire en fait, je pense que c'est le côté blasé euh, ou de se dire à un moment donné de perdre l'envie. Euh, chaque page, j'ai vraiment l'impression est au bout d'une limite quoi. Alors, du coup, je dessine moins dans mes carnets comme je peux le faire de façon. Mais là, c'est. Tout dans les planches de Lewis, tout dans le. Le Freud, par exemple, c'est. Je veux, je veux être dans une espèce de. de... Page Turner. Tu sais, le, le principe de. De dire. Ah, je veux connaître la suite. Alors, je suis très, très amateur de, de manga. Je sais pas, de lire Happy de Urasawa, qui font 23, 23 tomes de 200 pages, et de les lire en se disant. Mais qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe après Ça, c'est un, un type de lecture que j'ai envie d'essayer d'avoir de, dans mon propre travail. Cette, cette peur de ne pas savoir si tu auras la même énergie créatrice plus tard, est-ce que tu t'es déjà pensé à 70 ans, 80 ans, en demandant ce que tu aurais aimé que ta carrière fût Je pense que c'est quand même des métiers où, euh, par exemple, je n'ai pas de frustration, je suis très content d'avoir fait 10 ans de, de films d'animation, ils valent ce qu'ils valent, hein, je veux dire... Euh, quand j'ai fait La peur du loup, euh, j'ai eu des retours, mais absolument terribles, euh, parce qu'on avait eu un gros budget, en disant Mais euh, regardez ce que vous en avez fait, euh, j'espère que tu ne penses pas avoir fait un chef-d'œuvre. Bon, le film. Euh, c'est violent comme. Euh, oui, c'est violent, euh, mais voilà, le, le film a, est, a, a ses défauts, mais euh, voilà, je le, je le trouve cohérent. Enfin, il n'y a, a pas de projet parfait. Euh, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est. Euh, c'est les rencontres, c'est enfin euh, euh, c'est le, le, le côté euh, révélateur, c'est de me dire bon bah voilà euh, le je suis je reste très attaché à dans la forêt, je reste très attaché à ces différents projets et je pense qu'en fait euh, chaque projet me, me construit ou me nourrit ou me me permet d'évoluer. Euh, euh, les interventions que je fais à Valenciennes à, à Supinfocom sont très enrichissantes aussi parce que je suis confronté à des des, des belles personnalités j'ai je suis un acheteur de bouquins mais compulsif quoi donc du coup j'aère ma bibliothèque quand je vais là-bas c'est-à-dire que je, pour chaque projet j'amène des références différentes et puis ça m'apprend aussi sur mon propre travail c'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression d'être très intuitif et là de devoir expliquer un processus de travail de création par rapport à du développement graphique du car design euh, c'est hyper intéressant et et du coup, j'ai pas la frustration de, je marque pas mon territoire sur les projets, c'est-à-dire que je me sens relativement transparent par rapport aux interventions. J'ai mes goûts, mais ce qui m'intéresse, c'est de... de faire un travail de direction artistique, c'est-à-dire de les... de les accompagner dans leurs choix et de faire que ils épanouissent leurs choix au mieux. Et comme j'ai ma propre création aussi, euh, sur lequel il y a aussi des retours critiques, du coup. Je suis dans cette espèce de rapport de savoir très bien euh, comment est-ce qu'il faut défendre un projet, qu'est-ce que je tiens absolument à conserver dans mon projet, sur quoi est-ce que je serais capable de me défendre pour dire mais ça, ça pour moi c'est important. Et puis il y a des choses aussi sur lesquelles il faut savoir lâcher, c'est-à-dire de dire là, effectivement je dois retravailler parce que c'est pas bon. Et avec Métamorphose, le travail de l'éditeur est, est fondamental, c'est-à-dire que Barbara Canepa ou Clotilde Vu, elles font un vrai travail d'éditeur, c'est-à-dire que quand euh, elles reçoivent les planches, elles les prennent pas comme ça. S'il y a quelque chose à redire, j'ai passé euh, sur la couverture de l'esprit de Lewis, j'ai fait dix versions différentes, et sur la dernière, qui était dans un tout petit carnet Moleskine, j'ai passé trois mois dessus pour caler le bon équilibre, et elle est radicalement différente par rapport à euh, dans la forêt. Dans la forêt, il y a du détail partout, et le centre est extrêmement épuré. Euh, la couverture de Lewis, c'est l'inverse. On a, euh, on a euh, quasiment un blason central et c'est très vide autour. Et alors que je suis pas du tout euh, dans un tempérament graphiste, tu vois, on parlait au début de, du travail de typo qui pour moi est quelque chose d'assez laborieux. Bah pour moi, ça, c'est aussi une, une victoire d'avoir de, de, euh, su travailler pour mes projets ce travail graphique et d'être allé au bout de, de ce travail de maquette de, de graphisme même si j'ai pas fait la typo de l'esprit de lewis en tout cas tous les choix je les assume et jusque d'avoir fait la page de garde de, de voilà de faire les choix de couleurs de, de travailler avec Hubert pour la couleur de, voilà ça, ça fait partie donc pour moi c'est dans la continuité du travail de, de réalisation enfin que ce soit du film de la bD c'est la même chose tu réalises l'objet. Voilà, c'est ça. Que tu vas, que tu vas donner à, au lecteur, quoi. Oui. Est-ce que tu sais d'où vient ce besoin vital de créer Est-ce que c'est l'aventure, la postérité, le besoin de postérité, le besoin de délivrer un message Oh non. De te délivrer toi-même. Non, de mais me... je pense que tu si sais, on pose toujours la question de, mais alors. Euh... Depuis quand vous dessinez, mais en fait, euh, les dessinateurs sont juste euh, en fait, des enfants qui n'ont pas arrêté. Euh, moi, je pense que je, à la fois, je, je me suis beaucoup ennuyé et donc le dessin m'a désennuyé. En fait, depuis que, euh, depuis que je fais ça, mais euh, d'abord tous les jours se ressemblent, donc j'ai plus l'angoisse du dimanche soir. Euh, en me disant, tiens, ah lundi, il va falloir que j'aille travailler. Euh, euh, non, je suis plutôt à lutter contre le temps. Devant moi, je sais que j'ai un nombre de planches que je dois faire. Euh, j'ai mes cours en plus. Alors, quand je vais donner mes cours, je me dis, bon, mince, je ne suis pas sur la bande dessinée, mais en même temps, les projets sont tellement passionnants. Je n'ai pas le sentiment de m'ennuyer. Euh, euh, ouais, tu fais bien. parce que tu as besoin. Voilà, j'ai besoin. j'ai plus de questions. Quoi. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, si pour avoir fait par exemple euh, des, euh, des illustrations pour Pfizer euh, qui n'étaient pas du tout dans mon style, là j'ai compris la douleur. C'est-à-dire que là au moins maintenant euh, je travaille sur des projets que j'ai choisis, avec des gens que j'ai choisis. C'est quand même un vrai luxe. Hein. Non non j'ai pas de frustration là-dessus et euh, ça me... Si la seule frustration c'est que j'aimerais bien être plus efficace, aller plus vite et... et et avoir plus de temps parce que j'ai. Il y a plein de projets, en fait. Tous tes projets sont dans tes carnets Ou est-ce qu'il y en a encore d'autres Euh. Non, non, non. Il se trouve que depuis mes 20 ans, j'ai euh, trouvé un format de carnet et que j'ai euh, conservé. Donc, j'ai eu à un moment donné la frustration d'avoir tous les projets uniquement dans les carnets. Maintenant, j'ai la frustration de me dire mince, j'ai plus le temps de dessiner dans mes carnets. Mais en tout cas, du coup, euh, bah, ça se développe dans les bouquins donc c'est plutôt sain c'est à dire que Hubert m'avait proposé un projet et euh, donc j'ai fait un carnet entier sur ce projet là comme j'aurais constitué un dossier pour un, un projet de long métrage c'est à dire que la presse c'est un jeu de patience c'est de se dire tiens euh, ces carnets en fait sont un peu comme une espèce d'archive et il y a un truc qui est qui est très efficace pour moi enfin en gros j'ai la mémoire de euh, ma façon de dessiner depuis mes 20 ans puisque j'ai mes carnets depuis mes 20 ans oui, parce que les premiers, en fait, je les ai. Le, le tout premier, je l'ai plus. Euh, je l'ai offert à une copine qui a été assez convaincante, il hein, faut croire, pour que je lui cède le carnet. Donc, depuis, je garde mes carnets. Il suffit de regarder un dessin que j'ai pu faire il y a dix ans, si ça peut me réactiver l'envie et de me dire, ah, ce truc-là, c'est dommage. Alors, le, le, même, le même copain le scénariste, donc Régis Jolin, il a une théorie qui dit, quand on est dans une phase d'apprentissage, on développe son territoire et le territoire est en expansion. Et puis il y a un moment donné où sa personnalité est constituée et là, eh ben il faut aller en profondeur. Donc euh, moi plus ça va, plus j'ai l'impression de faire un travail de projet et de nourrir en fait les, les racines des projets, les motivations et d'aller de plus en plus profond pour leur donner de la force quoi. Et donc bah euh, ben, mes carnets c'est un peu ça, c'est un peu mon c'est mon humus quoi. Alors on arrive à la fin de cet épisode. Je pose toujours la, la même question est-ce que tu as un objet culturel, comme un film, un livre ou peu importe, qui t'est marqué ces derniers temps Je dirais dans trois registres différents. Euh, il y a le, le travail de Bertrand Mandico, qui avait réalisé Les Garçons sauvages et que je suis depuis vraiment un moment et qui fait des travaux d'hybridation euh, que je trouve toujours extrêmement stimulant. cest j'adore le côté mauvais genre. Euh, dans son, dans son travail. Donc là, j'ai vu il n'y a pas longtemps son, un court métrage qui s'appelle Ultra Pulp et qui est absolument fabuleux. C'est un ovni complet. Dans le domaine de la bande dessinée, euh, il y a Benoît Peters qui a fait une série de conférences qui sont trouvables en ligne sur le, le site des arts et métiers. Enfin, je te passerai le lien, ouais, avec qui sont euh, dix, dix conférences d'une heure euh, sur euh, l'histoire de la bande dessinée, d'une érudition, d'une curiosité. C'est une histoire subjective où, euh, voilà, où, il va parler de Windsor McCay, de Gustave Doré, de, de, de tous les maîtres, avec euh, vraiment cette, euh, voilà, le, il le... n'y a pas de progrès en art. Et là, on voit vraiment le travail des maîtres et de, de et ça ouvre vraiment pour moi. Euh, je trouve que c'est important de s'interroger sur euh, sur l'histoire de son médium et des possibilités et de comment est-ce qu'on s'inscrit dans euh, dans des références comme ça. Et puis, euh, je suis retombé sur le, le, le blog de Marie Spénal, qui avait réalisé une première bande dessinée qui s'appelle Heidi, qui est en fait euh, le l'éveil à la sexualité de, de Heidi, avec un dessin que je trouve d'une fraîcheur absolument euh, euh, remarquable. Et, euh, et elle a une chaîne YouTube où elle parle de son expérience, euh, de sa formation, de, de ses choix graphiques. Euh, c'est très léger, c'est assez brillant. Enfin voilà, donc c'est un peu les... Bah, je rappelle à, les tous références. Ceux, à tous ceux qui écoutent ce podcast que ces références sont disponibles en lien normalement sur la page de l'épisode que ce soit sur iTunes ou sur le site internet de, du podcast voilà en tout cas merci beaucoup Lionel d'être venu nous parler de tout ça j'espère euh, pouvoir voir tes prochaines œuvres bientôt euh, moi aussi <laughs> enfin en tout cas j'y travaille au plus tôt oui à la date de ce podcast bah, je te souhaite de très bonnes fêtes voilà qui sortira sans doute après les fêtes d'accord bah alors une, une bonne année alors une bonne année ouais. voilà c'est ça <laughs> Merci. Merci à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao.